Si les rayons de cette enseigne de vêtements sont en apparence calmes l'après-midi où nous avons tourné ces images, en temps normal, certains employés dénoncent une affluence trop importante et des règles sanitaires non respectées. Nous, hein, c'est pas notre travail, hein, mais on est obligé de voir les clients plusieurs fois, de leur dire monsieur, madame, le masque. Ils le remettent, ça met après on va aller voir dans le fond, ils vont plus. Donc c'est vrai que ça crée des tensions. Des tensions et déjà les premières conséquences. D'après cet employé, 5 de ses collègues ont contracté la Covid-19 et sont arrêtés. Pour essayer de faire face à une clientèle récalcitrante, 4 agents de sécurité parcourent les 4000 m² du magasin pour rappeler à l'ordre les réfractaires. Nous, on tourne, on essaie de les demander de le remettre, mais ils le prennent mal. Ils rentrent, ils enlèvent après. C'est ça le souci. Du côté de l'administration, je vois qu'ils font de leur mieux, mais ça leur dépasse en fait. Face à cette situation chaque jour plus compliquée, l'agent aimerait compter sur l'aide de la police. Seule solution pour lui, verbaliser les clients à l'intérieur du magasin.